Situé à Mincy, à 50 km au sud de Paris, le château de Vaux-le-Vicomte impressionne par sa taille, ses jardins et son histoire. Ouvert au public depuis 1875, ce château est aujourd'hui la propriété de la famille de Vauguet depuis 5 générations. Ascanio de Vauguet, membre de la fratrie, aux commandes de la propriété, nous ouvre les portes du domaine. Soyez les bienvenus à Vaux-le-Vicomte. Vaux-le-Vicomte, c'est le plus grand monument historique privé en France qui se situe en Seine-et-Marne, dans le sud de la Seine-et-Marne, à côté de Melun. Nicolas Fouquet, qui a bâti ce château au XVIIe siècle, l'a mis à cet endroit-là pour des raisons assez stratégiques, puisque ça plaçait son château sur la route du roi entre les deux demeures royales qui étaient Vincennes et Fontainebleau. Et donc ça lui donnait plus de chances de rencontrer le roi quand il voulait. Bâti sur les plans de l'architecte Louis Le Vau, le château de Vaux-le-Vicomte est aujourd'hui l'un des joyaux du patrimoine français. Avec une fréquentation record de 300 000 visiteurs par an, le château rend hommage aux personnes emblématiques qui ont foulé ses allées. Charles Lebrun, André Le Nôtre, Molière et Jean de La Fontaine ont habité ses murs. Installez-vous confortablement pour vivre la vie de château. Vaux-le-Vicomte, c'est un monument historique qui s'étend sur 500 hectares, clos de murs, donc il y a 10 km de murs et l'intégralité du monument et du terrain est classée monument historique. Il y a à peu près 20 000 m² de bâtiments, 2 hectares de toiture, donc beaucoup de charges d'entretien et de restauration et une équipe d'à peu près 70 ou 80 personnes pour faire tourner cette entreprise. Acquis en 1641 par un jeune homme de 26 ans, le fief de Vaux-le-Vicomte se transforme peu à peu en chef-d'œuvre total. C'est en 1661 que le château sort de terre. Cela grâce à la vision d'un homme, issu d'une famille de parlementaires fortunés, audacieux et fidèles à la royauté, Nicolas Fouquet. Nicolas Fouquet, qui au moment de la construction de Vaux, était le surintendant des finances de Louis XIV, mais il était aussi le procureur général du Parlement de Paris. Il a atteint à la fin de la quarantaine ces deux positions après une ascension fulgurante. Évidemment, quand vous atteignez les hautes marches du pouvoir, vous suscitez beaucoup de jalousie. Donc il y a un complot qui s'est mis en route contre lui pour prendre sa place, pour prendre ses prérogatives, son pouvoir, et ce complot a été monté par Colbert. Louis XIV avait 22 ans, il ne régnait pas encore, c'était encore sa mère et Mazarin qui régnaient sur la France après la mort de Louis XIII il y a longtemps. Et à 22 ans, Louis XIV a décidé de prendre le pouvoir. Donc on est en 1661, Mazarin venait de mourir, donc on était vraiment à un moment charnière de l'histoire de France. La fin d'un règne, de celui de Mazarin comme Premier ministre, et le début de Louis XIV. Et Colbert a donc décidé de monter un complot contre Fouquet, en secret, mais il avait besoin de l'appui de Louis XIV. Seul, il n'y arriverait pas. Et il a réussi à convaincre Louis XIV, qui avait été chahuté, bousculé, même voire traumatisé par la fronde, cette petite révolution des nobles en 1648, donc une douzaine d'années avant. Et il se méfiait des gens riches. Et donc, il s'est laissé entraîner dans le complot de Colbert, et il a participé au montage du complot. Dans le cadre de ce complot, Louis XIV a demandé à Fouquet de le recevoir dans son nouveau château de Vaux-le-Vicomte, et donc Fouquet a été obligé d'organiser une grande fête pour recevoir son roi.
Et donc c'est trois semaines plus tard, trois semaines après la fête du 17 août 1661, que Louis XIV va tendre un piège à Fouquet et l'attirer loin de ses appuis parisiens, donc l'attirer à Nantes. Et D'Artagnan, un ami de Fouquet, sur ordre du roi, va arrêter Fouquet et le mettre en prison. Et à partir de ce moment-là, va commencer un long procès qui va durer trois ans. L'unique objectif de Louis XIV et de Colbert, c'est de condamner à mort Fouquet. Ils vont donc choisir des juges parmi les ennemis personnels de Fouquet. Ils vont interdire à Fouquet d'être défendu par un avocat. Ils vont faire disparaître des pièces à conviction. Ils vont créer des faux témoignages. Et ils vont mettre surtout une grosse pression sur les juges, les menaçant de briser leur carrière si jamais ils ne votaient pas la peine de mort. Et là, c'est la chose la plus extraordinaire de l'histoire qui commence là, c'est qu'à la fin de trois années de procès, les 22 juges vont se retirer pour délibérer après trois années de pression, de procès iniques, truqués. Cette chambre de justice, elle est dirigée par un homme qui s'appelle Olivier Lefebvre d'Ormesson, qui va absolument vouloir faire preuve d'indépendance, qui va vouloir construire l'indépendance de la justice et surtout ne pas céder aux pressions du politique, c'est-à-dire du roi. Et essayer de convaincre les autres juges de l'importance d'être indépendant et de ne pas céder à la pression politique. C'est extraordinaire parce qu'il va réussir à convaincre la majorité des juges de juger en âme et conscience et non pas en fonction des pressions politiques. Et la majorité des juges va désobéir, va refuser de subir les pressions du roi et voter la sentence d'exil, de bannissement à vie, c'est-à-dire d'exil. Fouquet reste libre mais n'a plus le droit de vivre en France, il perd tous ses biens et il peut vivre libre mais à l'étranger. Et c'est la seule fois dans toute l'histoire de France que le chef d'État, qu'il soit roi ou empereur ou président de la République, va utiliser son droit de grâce à l'envers pour commuer la peine prononcée par les juges en une peine plus grave. Et donc il va transformer la peine d'exil en peine d'emprisonnement à vie. Et donc Fouquet, en sortant de la chambre de justice, va être mis en prison et amené dans une autre prison au fin fond des Alpes. Et il va finir sa vie pendant 15 ans au fin fond d'une prison dans les Alpes. Nicolas Fouquet ne reverra jamais sa demeure. Le château est mis sous scellé et dépossédé de tous ses biens. Le roi Louis XIV saisit alors tous les mobiliers, arbres, fontaines et sculptures. La famille de Nicolas Fouquet est contrainte à l'exil. C'est au bout de 10 longues années que la famille Fouquet renoue avec l'histoire de Vaux-le-Vicomte. L'épouse de Fouquet finit par avoir l'autorisation de revenir sur ses terres et elle va passer le reste de sa vie à tenter de rembourser les dettes de son mari. Ses fils se désintéressant du lieu, elle a fini par vendre le domaine au maréchal de Villars. Villars a fini par vendre le domaine à la famille Choiseul-Pralin, qui était ministre de la Marine et le cousin était ministre des Affaires étrangères. Et le château est resté pendant 5 générations dans cette famille-là. Unique par son architecture et ses jardins, le château de Vaux-le-Vicomte inspire de nombreux artistes. Peintres, poètes, écrivains, romanciers, compositeurs. Toutes les tendances de la première partie du grand siècle sont en émulation dans cet écrin artistique. Le roi Louis XIV s'en sert même de modèle pour réaliser le château de Versailles. Cette création unique, Nicolas Fouquet le doit à une équipe d'artistes qui a su transformer ce château en une véritable œuvre d'art. Quand Fouquet a décidé de bâtir Vaux-le-Vicomte, c'était son deuxième château. Il avait déjà un petit château à Saint-Mandé, mais il lui en fallait un plus grand à l'échelle de ses nouvelles responsabilités de surintendant des finances. Il lui fallait quelque chose de majestueux, quelque chose d'unique, quelque chose de pionnier, d'audacieux, de nouveau. Et donc il s'est entouré de trois artistes qui n'avaient pas travaillé ensemble encore et qui étaient déjà très expérimentés, très reconnus dans leur profession. Et donc il a pris le nôtre, le Brun et le Vaux. Mais ce qui était unique et assez exceptionnel dans leur travail ici, c'est qu'ils ont travaillé tous les trois ensemble. Fouquet a réussi à créer un climat de confiance entre eux trois et à les faire travailler
non pas chacun sur son œuvre, mais tous les trois sur une œuvre unique. Et on se retrouve donc avec une œuvre d'art totale qui mêle l'architecture, le paysagisme et la peinture. L'architecte, le paysagiste et le peintre vont créer un nouveau style à la fois architectural et paysager, qu'on appellera plus tard le style à la française, le jardin à la française, qui est une nouvelle harmonie entre le jardin et les bâtiments, comme on dit, entre le bâti végétal et le bâti minéral. Et c'est totalement nouveau, c'est issu d'un long processus d'évolution qui a débuté 200 ans plus tôt et qui atteint son paroxysme, son aboutissement à Vaux-le-Vicomte et qui va devenir un modèle pendant plus de 100 ans. Ce jardin à la française, réalisé par André Lenôtre, pose les bases du futur décor du château de Versailles. Grâce à ce coup d'éclat, André Lenôtre devient le jardinier favori de Louis XIV. Les statues, plans d'eau, allées, pelouses et perspectives s'harmonisent dans une savante composition géométrique. 33 hectares de jardin sont partagés en 13 hectares d'allées, 13 hectares de pelouses et 7 hectares d'eau. Ils s'inscrivent au milieu du domaine qui, lui, est composé de 500 hectares clos de murs et existe donc depuis 1661, époque où Lenôtre les réalise pour Fouquet. Lenôtre va récupérer les tendances des jardins qui sont dans l'air et va les mettre en place ici, puisqu'encore une fois, il a une page blanche où vraiment Fouquet le laisse exprimer tout ce qu'il veut. Les deux idées principales du jardin à la française sont l'alliance des jardins et du bâtiment. Au milieu du XVIIe, l'homme, avec un H majuscule, est persuadé de tout maîtriser, la nature, les règles de la physique et tout. Donc ils vont les mettre en application ici en créant ce qu'on appelle une perspective ralentie. C'est-à-dire que tous les éléments des jardins s'agrandissent au fur et à mesure qu'ils s'éloignent de la vue principale, qui est le château, de façon à donner l'impression aux visiteurs que les jardins sont beaucoup plus compacts qu'ils ne sont en réalité. Ainsi, quand on est au château, on a l'impression qu'il va falloir 10 minutes pour aller jusqu'à Hercule. En fait, on est plus sur une demi-heure, 40 minutes qu'autre chose. Tout ça est volontaire, c'est vraiment fait pour tromper les sens du visiteur. Juste après le rondeau, on aura deux petits canaux, alors petits canaux, ils font quand même 120 mètres de longueur chacun, qui vont apparaître parce qu'ils sont cachés par une terrasse. Une première terrasse, une deuxième terrasse, après un univers très minéral où il y a le canal, et après on remonte de l'autre côté, après les grottes, sur un talus en vertugadin pour finir à la statue d'Hercule et ses 14,65 m de hauteur. Si on va jusqu'au bout, ça je devrais pas le dire, parce que c'est vraiment la surprise des jardins, on va s'apercevoir qu'il y a un canal d'un kilomètre de long sur 30 mètres de large, qui est aussi dévoilé au dernier moment. Tout un ensemble de bassins aussi cachés, ces perspectives marchent dans les deux sens, ces surprises marchent dans les deux sens. Vous avez une vue des jardins du nord vers le sud, et quand vous êtes au sud, vous avez une vue différente du sud vers le nord. Art des jardins, mais aussi art des lettres. Lorsque Louis XIV demande à être reçu par Nicolas Fouquet, il fixe une date seulement 3 semaines après cette requête. Nicolas Fouquet n'a alors que très peu de temps pour organiser une grande fête en l'honneur du roi. Il demande à plusieurs grands artistes de s'y produire, notamment Molière. Donc Molière n'a eu que 15 jours pour écrire une pièce, l'imaginer, la composer, l'écrire, la répéter, la mettre en scène, et c'est une pièce qui s'appelle « Les Fâcheux » qu'il a écrite, fait répéter et fait jouer dans les jardins pour Louis XIV et Fouquet. Et il l'écrit lui-même, hein, Molière, dans la préface des Fâcheux, que jamais une pièce de théâtre n'avait été écrite et composée en si peu de temps. Et pourtant, c'est là aussi encore un nouveau style qui apparaît dans le théâtre, puisqu'il a mêlé le théâtre et la musique et la danse, puisqu'entre les scènes, entre les actes de théâtre, les danseurs venaient danser sur la scène. Ça se faisait couramment pour des intermèdes, mais là, ce qui était nouveau,
c'est que les scènes de danse avaient un lien avec l'histoire théâtrale et donc faisaient partie intégrante du théâtre. Et ça s'est appelé, c'est un style qui est devenu la comédie-ballet, dont on connaît bien Le Bourgeois Gentilhomme, etc. Mais Les Fâcheux, écrit par Molière pour Fouquet à Vaux-le-Vicomte, est la première d'entre elles. Les artistes affluent à Vaux-le-Vicomte. Nicolas Fouquet agit en vrai mécène. Il soutient les arts et les lettres. Il compte parmi ses protégés Perrault, Corneille ou encore un certain Jean de La Fontaine. Chateaubriand écrit même « Pour Louis XIV, un artiste est un ouvrier. Pour Fouquet, un artiste est un ami. » Fouquet était admiré, respecté, apprécié de la part des artistes et les artistes venaient volontiers travailler pour lui et donner le meilleur d'eux-mêmes. À tel point que La Fontaine est restée fidèle à Fouquet malgré les événements. La plupart des amis, des relations de Fouquet l'ont abandonné pendant le procès, ont suivi le roi à Versailles où la lumière brillait, où l'argent coulait à flot. Seul un d'entre eux est resté fidèle à Fouquet, c'est La Fontaine. Et il a pris des gros risques puisqu'il a écrit au roi en faveur de Fouquet, demandant de l'indulgence, et ça lui a coûté sa carrière puisqu'il n'a jamais été admis dans les cercles artistiques de Louis XIV et de Versailles. Et il a eu beaucoup de mal, malgré son immense talent, à rentrer à l'Académie française. Un beau témoignage d'amitié qui est tout à fait caractéristique des relations que Fouquet avait avec les gens autour de lui. Vaux-le-Vicomte est une belle innovation architecturale. Hein. Levaux et les deux autres artistes se sont bien lâchés pour être audacieux et inventer un nouveau style. Et à titre d'exemple, ça nous paraît tout bête aujourd'hui, mais le couloir de distribution dans une maison, ça n'existait pas. Donc traditionnellement, un château, c'était une enfilade de pièces. Et pour aller d'un bout à l'autre du château, il fallait traverser toutes les pièces les unes après les autres. Donc pas facile en termes d'usage quand il y avait des préparations, des montages, etc. Et ben, Levaux a inventé, s'est dit, ben, pour résoudre cette difficulté-là, je vais accoler deux enfilades de pièces, comme ça on peut passer de l'une à l'autre et contourner des difficultés. Et encore plus fort, non seulement je vais les accoler, mais je vais les séparer par un long couloir de distribution au milieu. Ça n'existait pas, il l'a inventé ici. De même, il a aussi inventé de dédier une pièce au repas. Jusqu'à cette époque, les repas étaient pris dans la pièce où se trouvait le maître de maison. On apportait un brancard avec tout le repas placé dessus, on le posait sur des tréteaux et il mangeait là où il était. Et à Vaux-le-Vicomte, pour la première fois dans un château à la campagne, une pièce est dédiée au repas et on appelle ça la salle des buffets. La construction de Louis Levaux marque le visiteur au premier coup d'œil grâce à une prouesse architecturale, le dôme ovoïde. Culminant à 25 mètres de hauteur, le lanternon offre une vue imprenable sur tout le domaine. Ce coup de maître technique et esthétique abrite la pièce centrale du château, qui porte encore aujourd'hui les traces de l'histoire. Le grand salon est une pièce qui montre l'inachèvement du château et qui rappelle l'histoire dramatique de Fouquet, puisque l'architecture et la sculpture de ce grand salon ont été achevées, mais pas la peinture. Lebrun avait terminé les peintures des autres pièces, mais pas de celle-là. Et cette pièce, l'échafaudage était prêt pour qu'il fasse sa gigantesque fresque sur le plafond, mais à ce moment-là, Louis XIV a demandé d'être reçu et Fouquet a dit à Lebrun « démonte-moi tout ça ». Un énorme échafaudage en bois. Il a dû tout démonter en quelques jours, passer rapidement un badigeon sur les traces de chantier pour que quand Louis XIV arrive 15 jours plus tard, la pièce soit visitable, on va dire. Et donc elle était entièrement blanche. Puis quelques 200 ans plus tard, elle a été peinte par un des propriétaires et c'était il y a 150 ans. Et malheureusement, cette peinture a mal vieilli et il y a quelques années, on a décidé de la restaurer. Et en la restaurant, on s'est rendu compte qu'elle était faite à la va-vite, de mauvaise qualité, non terminée, copiée sur un plafond existant en Allemagne, et donc de mauvais intérêt. Et donc on a décidé de la recouvrir d'un badigeon beige pour rendre à la pièce l'état qu'elle avait quand Louis XIV est venu. Donc aujourd'hui, quand le public vient, il revoit la pièce de ce grand salon ovale de 18 mètres de haut, tel que Fouquet, Louis XIV, La Fontaine, Molière, toute la cour l'ont vu en 1661.
Mais on y ajoute quand même un petit détail, c'est que l'œuvre que Lebrun devait y peindre sur la coupole et la décoration qu'il devait faire sur tous les murs sculptés autour, polychrome, donc avec de multiples couleurs, on souhaitait la montrer au public. Alors évidemment, on ne pouvait pas la peindre. Aucun peintre aujourd'hui, je pense, n'est capable de rendre ce qu'un Lebrun aurait fait. Et puis, il y a une modification du monument qu'on ne peut pas se permettre. Donc, on le restitue, ce projet, qui n'a jamais été réalisé, avec de la vidéoprojection. Donc, on projette sur la coupole et sur les murs, sur 1000 mètres carrés, de façon complètement immersive, ce que Lebrun avait prévu de peindre dans cette pièce. Vous êtes songeur, mon ami ? Colbert ne me laisse pas de répit. Il est venu ici l'autre jour au déboté. Il fouine. Que vous reproche-t-il ? Grâce à vous, la banqueroute du royaume a été évitée. Vous dénichez sans cesse des liquidités supplémentaires. Tous vous doivent leur fortune. À commencer par Mazarin. Celui-ci ne vous lâchera pas. Il a trop besoin de vous, n'est-ce pas ? En effet. Le cardinal n'a pas lieu de se plaindre de mes services. Même avec la maladie qui l'accable, il me demande toujours plus d'argent pour renflouer les caisses. Le roi est si dépensier, et c'est guère, que ne dois-je pas faire pour financer tout cela ? Monsieur, le cardinal Mazarin est mort. Quoi ? Pour transmettre l'histoire, on a mis en place un parcours sonore immersif, donc le visiteur se promène dans le circuit de visite avec un casque sur les oreilles qui déclenche dans chaque pièce automatiquement une scène de la vie de l'époque, une scène de la vie de Fouquet, du complot, de l'arrestation, qui est jouée en son 3D, donc c'est assez impressionnant, on entend des sons tout autour de soi, et puis c'est joué par des comédiens, certains sont des comédiens de la Comédie française, et il y a une mise en scène, c'est un vrai théâtre mais sonore, donc on a le décor autour de soi, et on entend la scène de l'époque, le complot qui se trame, l'ascension de Fouquet, la gestion des finances, la fête, l'arrestation par D'Artagnan, le procès, etc. Donc c'est assez vivant, c'est assez émotionnel et spectaculaire en termes d'expérience sonore, et ça permet de découvrir cette histoire de France qui a fait basculer le pays dans la monarchie absolue, en fait. Au cours de son parcours, le visiteur peut découvrir une scénographie immersive retraçant la célèbre fête du 17 août 1661. Grâce à des mises en scène et des jeux d'acteurs, le spectateur revit les préparatifs depuis les cuisines du château. Bruit de casseroles, personnel en ébullition, le chef Vatel délivre les secrets des mets destinés au roi Louis XIV. Faire venir le public à Vaux-le-Vicomte, ça fait à la fois partie de notre mission, de lui transmettre l'histoire qui lui appartient et un lieu qui lui appartient, et de lui faire découvrir le génie d'artiste de l'époque. Mais c'est aussi un moyen pour le public de participer, en payant son droit d'entrée à Vaux-le-Vicomte, de participer à la préservation de ce lieu et à la transmission de ce lieu aux générations suivantes. Puisque nous sommes assez modestement aidés par l'État, et donc c'est principalement le public en payant droit d'entrée qui participe à la sauvegarde du lieu. Le château de Vaux-le-Vicomte accueille le public dès le printemps, tous les jours de 10h à 19h. Des événements spéciaux sont organisés comme les soirées aux chandelles et le Grand Noël.
Pour les plus gourmands, il est possible de se restaurer en s'asseyant à la table de Jean de La Fontaine ou en dégustant un panier pique-nique préparé par le chef de Vaux-le-Vicomte. Alors n'attendez plus, franchissez le pas de la vie de château.